Vous êtes organisateur des rencontres aujourd'hui à la Villette? Alors je ne suis pas organisateur. Les organisateurs sont des institutionnels, donc ils sont au nombre de quatre. Il y a l'Élan Retrouvé, l'Hôpital de Maison-Blanche, la Cité des Sciences, particulièrement la Cité de la Santé, et les CMR. Voilà, donc ça ce sont les organisateurs institutionnels. Moi je fais partie du groupe de programmation qui a la charge de voir tous les films adressés aux rencontres par tous les ateliers de France, de Belgique, d'Italie. Et on doit les voir tous et puis essayer d'en diffuser le maximum dans une programmation aussi cohérente que possible. Donc on observe déjà si les films répondent aux exigences de la programmation, c'est-à-dire qu'il faut que ces films-là soient réalisés avec, par des patients, en situation d'hospitalisation ou pas, en lien avec la psychiatrie institutionnelle ou pas, mais en tout cas il faut qu'il y ait des personnes en souffrance psychique qui participent au projet. Il est nécessaire aussi que les réalisateurs puissent être présents au moment de la diffusion du film à la Cité des Sciences. C'est impératif pour vous? C'est impératif, alors ça peut être corrigé à la marge pour des gens comme par exemple les Québécois qui nous adressent des films, c'est parfois compliqué pour eux de se financer, donc on diffuse le film quand même. Voilà, il peut y avoir des impératifs pour des groupes avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ponctuellement parce qu'elles sont en situation de crise, donc ça on comprend tout à fait. Ça se fait en groupe avec un cahier des charges assez sobre mais qui pose bien un cadre assez défini. Et à l'intérieur de ce cadre, on a une latitude pour créer une programmation, pour que les films s'enchaînent les uns avec les autres de manière assez fluide pour le spectateur et qu'on puisse ensuite débattre autour de ces films. J'ai participé aux premières rencontres vidéo en santé mentale qui se sont déroulées en 1999. Il y avait au moins trois cofondateurs, donc Daniel Simonet en est un et il est encore présent aujourd'hui, il est là depuis le début, il n'a pas raté une édition, sauf une pour blessure, mais il avait tout préparé quoi qu'il en soit. Il y avait également Philippe Lally, qui était un infirmier qui travaillait avec de l'Élan Retrouvé, qui travaillait avec la vidéo et qui a été appelé à une autre destinée ensuite. Et puis il y avait également Robert Albert, qui était membre des CMEA et qui lui a pris sa retraite et qui a quitté les rencontres, l'organisation des rencontres. Quel est le public, à qui s'adresse-t-il et à quoi sert-il? Le festival, qui n'en est pas un puisqu'il s'agit de rencontres, donc la dénomination de rencontres est déterminante en l'occurrence parce qu'il n'y a aucun prix, il n'y a pas de classement. Le but du jeu c'est de mettre des gens en présence les uns des autres pour essayer de créer des rencontres, susciter des réseaux et faire en sorte que au lieu d'être isolé dans son atelier de création vidéo au fin fond de son hôpital ou de sa structure, on puisse avoir un réseau de gens qui travaillent plus ou moins comme nous, qui peuvent être soutenants, qui peuvent donner des idées, qui peuvent susciter des projets, peut-être des collaborations. Donc l'intérêt de ces rencontres-là, c'est vraiment de mettre les gens en présence les uns des autres. Nous sommes très loin de Cannes. À Cannes, les gens y vont aussi pour se voir et monter des projets, mais bon, nous ne sommes pas à la hauteur de Cannes en tout cas. Bien sûr. Bah, écoutez, Philippe, je vous souhaite une très bonne journée. C'est votre deuxième journée, dernière. Donc, excellente fin de rencontre ici à la Villette. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Au revoir, Philippe. Bon partage à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.